Je suis parti en prospect pendant 3 semaines au mois de janvier sur la Réunion. J'ai dit que je connais bien parce que j'ai passé plus de 10 ans en tant que sommelier. Je lance la nouvelle technologie depuis à peu près 2 ans maintenant. Et on va parler un petit peu du marché prometteur, j'espère, de la Réunion. Donc la Réunion, c'est une île des Mascarennes, qui est partie des 3 M. Donc vous avez Madagascar, Mayotte et Maurice. C'est là qui est partie un petit peu de l'île. On est à peu près 800 000 personnes. Sur l'île de la Réunion, on a 3 types de religions et 5 personnalités qui sont dans le pays. Mais enfin, moi, ce qui me concerne, c'est plutôt des solutions de paiement pour les formations des particuliers et des conférences. J'espère avoir le soutien de la Bitcoin. Les principales places de physique, c'est pour faire les habitants. Ce qui m'intéresse surtout, c'est faire les échanges entre Madagascar, la Réunion et Maurice, qui sont assez prometteurs, j'espère, au futur. Donc, je suis parti 2 semaines. Voilà, on a trouvé un petit peu des contacts au niveau des commerçants, c'est-à-dire tout ce qui concerne les coiffeurs, tout ça, mais les vêtements, les marques de freins qui sont locales également. Donc je me suis trouvé un petit peu avec des confrontations un petit peu techniques, puisque j'ai démarré là-dedans, donc j'avais quand même pas mal de fois M. Valente pour des supports, c'est-à-dire qu'au niveau de la sécurité, tout ce qui concerne la TVA, évidemment, pour la société, je n'ai pas su répondre, c'est un peu mon gros problème. Et au niveau des déplacements, parce que c'est une île assez grande, je tombe un peu mais de la part des cyclones en plus, donc c'est un petit peu compliqué. Ici, j'ai réussi à manquer un jour donc, à obtenir 5 journalistes des commerçants, j'ai une centaine d'établissements et une trentaine de particuliers que je vais essayer de faire laver, qui sont dans des secteurs comme la médecine ou les dentistes. Vous avez ici également la partie des sociétés que je suis cité là pour les 15 jours, donc ça va des marques de vêtements en passant par la téléphonie. On a fait également un article dans le quotidien qui est le journal local, là, pour expliquer un petit peu qu'est-ce que le Bitcoin, qu'est-ce que le futur du Bitcoin. Donc moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de créer vraiment une place physique sur Saint-Denis, la capitale. Avec des structures de bars, des structures de. Bon, ce qui a un petit peu tendance, c'est-à-dire des magasins de vaporettes également, des tatoueurs qui sont très intéressés aussi. Moi, j'ai parlé un petit peu du cash digital, ça leur a bien plu. La Technopole également, c'est une base assez. On a 10 universités sur la Réunion. Vous avez également une grande Technopole avec le Digital Réunion, qui s'occupe de toute l'information numérique et digitale dans tout l'océan Réunion. Donc je passe par la Technopole, donc ici on a tous les contacts. Je viens du milieu de l'hôtellerie, donc également tout ce qui concerne les cavistes, la restauration. Donc on n'a pas de restauration type Michelin, comme on peut avoir ici en métropole, mais on a des très bonnes structures qui sont dans les restaurants traditionnels. Monsieur Cadelli, qui est sur le port, qui a un commerce de parfait. Voilà, il m'a contacté après le journal parce qu'il était très intéressé par cette technologie. On est sur la Réunion à peu près 30% d'une population très très jeune et très connectée. Donc la Réunion également, vous avez toute la partie internationale avec l'aéroport qui est sur Gilo, qui est un aéroport des liaisons sur l'Afrique du Sud, sur l'Inde également. Toute la partie Maurice également, qui est un port international, qui permet vraiment des échanges sur des longs trajets. Donc, c'est très, très intéressant. La société. La société de Costa Concordia, qui va venir, qui a prévu pour 2016 de venir sur la Réunion. Donc, ils espèrent pour 2016 avoir près de 18 000 visiteurs. En plus, donc départ de la Réunion pour tous les Saint-Jean, pour Madagascar et Maurice également. Ici, au moment de besoin, j'aimerais bien créer une plateforme un petit peu comme on a mis magnifiquement ici sur Saint-Jean et Bitcoin, avec dans la création des meetups, des choses qui ne sont pas encore du tout opérationnelles là-bas. Vous avez les 3 points principaux, c'est-à-dire la capitale Saint-Denis, l'aéroport, Saint-Leu qui est la partie ouest, et puis la partie touristique, et Saint-Pierre qui est la partie un peu nocturne, des constructions, des grosses entreprises. Donc on va bien ramener un conférencier
expliquer, plus techniquement que moi, qu'est-ce que le Bitcoin, la blockchain et qu'est-ce que le futur dans tout ça. Donc j'ai des dates qui sont un peu prévues parce qu'il y a ce qu'on appelle le salon de la maison, qui est début mai. C'est un rassemblement sur tout l'aménagement de la maison et c'est un salon qui dure une semaine avec plus de 100 visiteurs. Il y a 650 exposants qui viennent cette semaine. C'est parti des 5 gros événements qui sont proposés sur la réunion chaque année. Vous avez également moi ce matin surtout c'est les BTM, sur machine en chef, donc pour les Français pour l'instant c'est pas du tout d'actualité, donc je recherche des personnes qui pourraient nous créer justement des applications et un fameux BTM français. C'est ça que j'ai pour le futur. Donc j'ai des contacts pour l'instant la marque anglaise ici, la marque allemande et un américain peut-être ici. Les produits, je suis parti pour les 15 jours pour développer justement les solutions avec Ledger. Parfait, avec une dizaine de clés en solution mobile, en solution clé, avec deux NFC. Donc les NFC, je me suis pas complanté parce que les NFC, c'est pas trop moderne. Je vais en avoir un peu plus tard. Voilà, ce qui m'intéresse surtout, c'est que je n'ai pas été support de Ledger, de Trade. On a un grand Bitcoin dans la Trade, donc il y a une bonne réunion. Voilà, avec trois personnes qui prennent un travail pour ce joli projet. Je sais également qu'il existe un diplôme, c'est quelque chose qui me tient un petit peu à cœur, genre moi, passer le diplôme, je suis avec Arbon Institute, voilà, pour vraiment avoir cette expérience diplômante, que je pourrais mettre sur Astral par exemple, sur un système, pour réaliser ça dessus. Un point important, c'est aussi au niveau des rémunérations, parce qu'on a quand même une population jeune avec une grosse allocation, c'est un des avantages et un des gros problèmes aussi de la réunion. Mais tout ce qui concerne les unbanked, je pense qu'au niveau des remittances, c'est quelque chose qui serait assez intéressant, surtout au niveau des flux. Vous avez bon, évidemment les éléments, je vous parlais tout à l'heure, le fameux circuit foot, un grand festival de musique, les mascarades qui sont un petit peu comme une foire de l'agriculture. Quand on a là-bas, il faut aller acheter la partie des fleurs également. Le fameux Costa Croisière qui vient en 2016, ça fait partie un petit peu bonus, j'espère que c'est pas allé. Et puis voilà, on taille les petits points, je vous rappelle un petit outil à la réunion. Si quelqu'un veut venir à la réunion cette année, vous n'aurez pas à aller. Voilà, merci beaucoup. Merci monsieur. J'ajusterai juste un point, c'est que vous voyez, même si le projet de monsieur Albouni n'est pas dans la haute technologie, dans le développement d'applications à travers la blockchain et tout ce genre de choses, là vraiment on est au cœur de l'accélération du Bitcoin et du développement de la technologie vraiment sur le terrain. Parce que là, on est vraiment sur la dernière étape, c'est-à-dire l'acceptation par des marchands. L'acceptation, comment on fait pour vraiment mettre le bitcoin entre les mains des gens et pour les faire s'échanger les bitcoins. Et je trouve que monsieur Aoui est quand même vraiment très actif sur le développement qu'il est en train d'effectuer. Je vous souhaite le meilleur succès. L'Afrique est vraiment pas loin, donc j'espère qu'un jour, l'autre sera bien sur l'autre Afrique. Merci beaucoup. Question. Quelle est l'importance des nombres carisés à la réunion? On est, on va dire, un petit peu comme le chômage, à 30%. 30%? Voilà. Mais ils ont une débrouille, en fait, assez interne. Donc, ils arrivent toujours, en fait, à garder leurs allocations et pouvoir faire des petits travaux. Mais ça ne dépasse pas. C'est-à-dire qu'ils touchent leurs allocations en cash? En RSA, RMI et... La trésorerie générale, ils vont. Voilà, exactement. Ouais. C'est prestations sociales, c'est-à-dire la CAF, et tout. Et après, ils ont un boulot. Et on se connecte donc sur un téléphone, ils ont tous comme ça. Orange ne s'est pas mis sur ce marché encore? Non, Orange est là-bas depuis longtemps. Vous avez Xerox, qui est une société aussi interne qui fait de l'Internet également, et la société Easy. Donc moi j'ai tous les dossiers, si vous voulez, pour les contacts. Parce qu'ils ont une structure connectée quand même. Parce que Orange a fait très très fort en Afrique de l'Ouest sur les paiements. Tout ce qui se passe à MPSA et puis MPSA, ce qui se passe au Kenya, et puis il y a une espèce de ligne en fait entre l'Union africaine et qui me plaît beaucoup et qui a, je pense, un bon avenir que ça a vraiment développé pour les mois qui arrivent. Voilà, merci beaucoup.